Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est de retour à Universal Studios pour les Halloween Horror Nights. Donc là je viens de rentrer avec une labeur comme je n'ai jamais connue dans un parc d'attractions. Entre les gens qui galèrent à passer leur ticket, il y en a qui sont restés 3 minutes bloqués, plus la borne dans la queue, enfin j'étais dans une file d'attente et la borne elle a lâché. J'ai mis plus de 25 minutes à rentrer. Alors qu'il n'y avait pas grand monde devant, et les fils à côté, ça rentrait. Les nerfs là, Bref. J'essaie de commencer par Stranger Things parce que je sais que c'est une des plus populaires et si je peux éviter l'heure et demie d'attente, ce serait pas mal. En tout cas, donc j'ai pris l'early access, donc je rentre une heure avant. Et toutes les maisons ne sont pas ouvertes. Hein. Il y en a 3 ou 4, je crois. Mais bon, toujours ça de prix. Donc bah, on se retrouve pour la suite. J'étais un peu choqué, ça a la durée. Genre ça durait pas si longtemps que ça, hein. Genre en 3 minutes je suis sorti. Hein. Alors niveau déco et tout, c'est incroyable. Niveau screamer, c'est pas trop mal, c'est vrai. On est sur du bon niveau là. C'était vraiment pas mal, mais c'était court. Franchement c'était court. Hein. Mais c'était pas mal, franchement j'ai bien aimé. On est vraiment dans le thème et tout, mais c'était court. Franchement je serais choqué sur la durée en fait. C'était bien, il y a des bons screamers et tout. Ils sortent vraiment d'endroits... saugrenu, hein. Vraiment. Mais la durée, pourtant j'ai pas marché vite, hein. Mais je sais pas, pour... je trouvais que c'était un... je restais un peu sur ma faim en fait. C'était bien, mais j'en aurais voulu plus. C'est tout. On va voir ce que ça donne avec les autres maisons hantées. Donc là, je vais faire soit l'exorciste, soit Holiday Inn Hell.
ça dépendra du temps d'attente. Ok, alors je sors de l'Exorciste. Believer, donc le nouveau Exorciste qui va sortir bientôt. Ouais, franchement, celle-là, elle faisait flipper. Hein. La vérité, elle faisait flipper. Déjà, il y a les odeurs et tout. Bah après, le film n'est pas sorti, donc je connais pas, mais... déjà, les screamers de partout, mais la fin... La fin... Il y en a partout. La vérité, j'ai hurlé. J'ai hurlé. Je me suis plié en deux et tout. Ah non, non, vraiment, c'était trop, là. La fin, elle m'a achevé. En plus, le démon, il était dégueulasse avec trois yeux et tout, là. Ah, vraiment immonde. Mais c'était incroyable, vraiment incroyable. Cette maison-là, franchement, elle m'a flippé, c'était génial. C'est ça qu'on veut, c'est avoir peur. Non, non, vraiment, l'Exorciste est vraiment pas mal du tout. Hein. Vraiment pas mal. En plus, ouais, bah, c'est les deux gamines. Plus, elles ont une sale gueule, il y en a partout. Ah ouais, non, non, franchement, celle-là, c'est validé de ouf, là. Celle-là, c'est validé. Et par contre, les files d'attente avancent super vite. Là, j'avais Stranger Things et l'Exorciste. À chacune, j'ai attendu un peu moins d'une demi-heure pour une demi-heure annoncée. Donc franchement, ça va. Mais là, c'est que les early. C'est déjà blindé. Après, pour 10 euros, forcément, je les achète. Hein. Mais waouh. Celle-là, elle était vraiment pas mal. Beaucoup mieux que Stranger Things niveau peur, du moins. Mais ouais. Non, franchement, c'était bien. J'irai voir le film, peut-être. Ok, donc là je me dirige vers Chucky et Universal Monster. Alors là je sais pas où on va, mais on est sorti du parc carrément. Alors, c'est tard, pas loin. Je sais pas où vous êtes. Regardez. On est vraiment en dehors du parc là. Je sais pas où on va. Mais les deux maisons en tout cas elles sont à 15 km. J'espère qu'elles vont être bien, mais Chucky je préfère le faire maintenant parce que je sais que c'est archi blindé. Donc on va y aller, je vais faire Universal Monster direct après. Comme ça, il me reste 4 maisons à faire et le Terror Tram avec les insectes là, ça a l'air dégueulasse. Mais bon. Ah, on n'a pas l'air d'être loin. Ah, bah c'est là. Alors, ah, là il y a l'Universal Monster. Nous on va faire Chucky. C'est déjà 45 minutes apparemment. Alors regardez les files d'attente qu'ils ont fait pour les maisons hantées. Là je vais faire Universal, Monster and Masked. Regardez les files d'attente. C'est dans le parking genre. Ça me tabasse. Ils ont prévu de l'extension hein. Regardez. Ah là il y a une demi-heure d'attente. C'est ce que j'ai attendu en moyenne pour toutes les maisons là. Là je viens de faire Chucky. Alors Chucky franchement c'était pas ouf hein. Enfin en termes de peur, ça faisait pas peur du tout. C'est vraiment du fan service pour les fans de Chucky hein. Parce qu'il y a très peu d'acteurs, c'est souvent bah, des poupées, des animatronics. Et au final bah c'est sympa hein. C'est joli, mais ça fait pas peur quoi, mais du tout hein. C'était vraiment pas ouf. Là Universal Monster, je pense que ça va faire un peu plus peur. Je vais le faire et on se revoit. Bon bah alors, juste, on peut filmer dans les mails je crois, parce que j'ai plein de gens avec le téléphone. Je suis pas sûr. Moi je vais pas filmer parce que quand j'ai peur ou que je crie, bah je bouge partout. Donc la vidéo elle va être dégueulasse. Donc, vous filmez, il y en a qui filment des pros, allez voir leurs vidéos si vous voulez voir l'intérieur, mais moi ça sert à rien parce que ça va être un rendu de merde. Donc voilà tout. Là je suis à ma quatrième maison, donc je suis à la moitié quasiment. Il est 19h30, ça va. Ça ferme à 1h. Quand j'entends je fais des rides de Harry Potter, la momie et tout ça. Et voilà. Et pour ça à peu près en moyenne, entre 15 minutes et 2h en maison T, mais en général. Les temps qu'ils annoncent, on attend un peu moins en général. Là, Chucky, il y avait écrit 45 minutes, j'ai attendu ouais, une petite demi-heure. Là, il y a une demi-heure, je pense que je vais les faire. Ok, alors je viens de sortir de Universal Monster.
Unmasked. Alors franchement, elle faisait flipper. Elle faisait flipper. Il y avait tous les monstres et tout là. Bien dégueulasse. Jekyll et Mr. Hyde, le monstre de Notre-Dame. Une bête bizarre là. Ah, c'était dégueulasse. Puis sortait de partout. Ouais, ça faisait flipper. Franchement, ça faisait flipper. L'entrée, elle est jolie. L'entrée est très jolie. En plus, c'est les catacombes. Parce qu'au début, on est dans les catacombes de Paris. Et non, non, franchement, elle faisait peur. Il y avait des screamers partout. Et à la fin, pareil, comme dans l'Exorciste, ils sortaient de partout là, ils sautaient dessus. Non, non, vraiment, ça faisait flipper. Vraiment, elle faisait peur, celle-là. Donc là, je vais sûrement aller faire un petit tour de Harry Potter. Vu qu'en fait, tout le monde est aux maisons T, aux attractions, il n'y a personne. Ou pas grand monde, du moins. Du coup, je vais faire un petit Harry Potter. Et après, je vais faire le Terror Tram. Parce que c'est Exterminator, c'est les insectes dégueulasses et tout là. Ça, ça peut être marrant. Donc on va aller faire ça. Thank you.
billions of fun, humans don't stand a chance. Did you know insects on this planet outnumber humans a billion to one? Humans don't stand a chance. Did you know insects on the planet outnumber humans a billion to one? Humans don't stand a chance. Did you know insects on this planet outnumber greedily? C'est bien flippé celle-là, j'ai pas vu le film, mais waouh, il y a des screamers, franchement, vous avez pas vu venir. En plus, c'était bien dégueulasse la meuf là, elle est dégueulasse, mais c'était vachement bien, franchement, j'ai beaucoup aimé. De très bons screamers, de la déco, en fait, toutes les maisons sont très bien décorées là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une immersion dans le truc. Mais elle faisait peur, hein, Evil Dead. Hein. Après, ah oui, j'ai fait aussi le Terror Tram. Terror Tram, c'était pas trop mal. C'était dégueulasse avec les insectes et tout là. Mais vu qu'on est beaucoup, ça fait plus ou moins peur, mais ça va. C'était surtout dégueulasse avec tous les insectes là. Mais bon. Il y en a qui sont surprenants quand même, hein. Parce qu'ils se cachent dans les draps et tout là. Et bam, ils sautent dessus. Donc là, je vais essayer de faire les monstres de l'Amérique latine. Oh là là, mais j'attends longtemps. Mais bon, c'est pas grave, faut le faire. Et puis bah voli voli.
viens de sortir de Los Monstruos. Donc c'est la maison hantée sur les monstres d'Amérique latine. Ah bah franchement elle a fait flipper celle-là. T'as les monstres, t'as l'oiseau, la mort et tout. Eh, y en a un sur les échasses. On va faire un bond. Ah franchement elle faisait flipper celle-là. Vraiment elle faisait peur. En plus l'ambiance bien, des fois dégueulasse et tout. Par contre ce qui est dommage, qu'on était vraiment trop. On est vraiment à la chaîne, regardez. Là vraiment ça rentre à la chaîne. T'as la queue leu. Des fois les effets de surprise, tu les vois bien avant. Donc il y a eu pas mal de loupés. Mais il y a eu vraiment pas mal de bons streamers quand même, hein, malgré tout. Donc quand même ouais, ça va bien me faire flipper. C'est le principal. Mais franchement elle est pas mal. Et puis on sort direct dans la scare zone quoi. Donc ça c'est pas mal aussi. Ça tu restes dans le truc. Donc les acteurs ils sont à fond là. Non vraiment pas mal celle-là. J'ai beaucoup aimé. Oh y'a la Llorona. De Holidays in Hell. Celle-là, bon, elle est pas trop considérée. Mais moi, je me disais, oh, vas-y, ça va être sur Noël, ça va être poivre. Quelle erreur. C'est celle qui m'a fait le plus sursauter de la soirée. Il y avait des screamers de Tarba. Je me suis mangé en pleine gueule. Franchement, j'ai flippé. Franchement, celle-là était incroyable. En fait, je retrace toutes les fêtes, les festivités de l'année, du Nouvel An à Noël. Puis t'as les monstres qui vont avec, quoi. Donc, Thanksgiving avec les glouglous, là. Je sais plus comment on dit. Enfin, bref. Ça fait bien flipper, quoi. Et... Je suis bloqué, là. Ouais, non, franchement, ça faisait bien flipper. Très bon screamer. Non, vraiment, c'était incroyable. T'aimes les lutins et tout. Non, franchement, c'était amazing, comme on dit ici. Non, vraiment incroyable. C'était génial. Donc voilà quoi. Non, franchement, c'était une bonne surprise celle-là. Donc là, j'allais faire la dernière maison qui me reste. J'ai nommé The Last of Us. C'est 1h05 d'attente, mais en général, on attend moins que ce qu'a annoncé, donc j'espère que j'attends. Bon, vous voyez pas trop, là je suis dans la file de The Last of Us. C'est la dernière maison hantée que je vais faire. Bah, c'est celle qui me manque en fait. Donc je vais bien attendre une heure. Hein. Ça fait déjà 50 minutes et je suis pas loin de la fin. J'espère qu'elle va être bien. En tout cas, il y a eu des cris à la fin. Donc c'est bon signe. Je vous ai pas montré la file, mais c'est un gros parc à bœuf dégueulasse, pas comme toutes les autres. Et là, on est là. Il y a Jurassic World là-bas. Et en fait, on est juste derrière la momie, et c'est une grande tente. En fait, c'est la place des tentes noires là. Tu dis, c'est pas très grand, mais comme dedans, on voit, c'est genre. La plupart des maisons, genre entre. Autour de 5 minutes, on va dire. Ce qui peut paraître long dans certaines ou très court dans d'autres. Mais je sais que la plus courte, c'est Stranger Things. Enfin, celle que j'ai trouvée la plus courte de moi, c'est Stranger Things. Et la moins bien, pour l'instant, je suis devant Last of Us, mais la vraiment moins bien, c'était Chucky. Chucky, j'étais vraiment déçu. C'est dommage, mais bon. No pun intended, volume 2, by Will Livingston. Oh,
can't move it. Sortir de The Last of Us, ouais, si ça faisait flipper, j'ai hurlé pas mal de fois. Ah, les bêtes à la fin elles font flipper, c'est dégueulasse là. Ah, en plus, moi j'ai tendance à toujours me reculer bien, du coup, ils essaient de m'attraper à chaque fois. Ah, ça me dégoûte, mais c'était vraiment pas mal. Alors, je connais pas le jeu, mais ça avait l'air assez bien fidèle au truc. Mais j'ai vraiment bien aimé, c'était vraiment sympa. Hein. On est vachement en immersion dans le truc. Elle est assez longue en plus, mine de rien. Genre ouais, 5 bonnes minutes, facile. Mais non, franchement, c'était pas mal. Dans la zone militaire au début et tout. Non, franchement, elle était vraiment bien. Bah, la plupart des maisons étaient vraiment bien. Hein. Franchement, sur les 8, elle a peut-être quoi, ouais, 2 qui étaient pas ouf. Mais sinon, les autres étaient vraiment pas mal. Hein. Vraiment, vraiment pas mal. Puis même les décos, hein, vraiment, vraiment pas mal. Hein. C'était vraiment incroyable. Donc voilà, pour les maisons, je ferai un top des maisons quand. À tête reposée un peu. Je le mettrai sur Insta, je pense. Et puis voili, voilou. Thank you.
voilà, c'est la fin de cette journée à Universal Studios pour les Halloween Horror Nights. Alors, événement inattendu à la fin. Donc j'ai fait The Last of Us. Et moi je pensais que ça fermait à 1h. Et en fait j'ai demandé à une dame et elle m'a dit que ça fermait à 2h. Du coup, j'ai pu refaire L'Exorciste, Holiday in Hells, in Hell, Stranger Things et La Momie, du coup. Parce que, en fait, si vous voulez, la dernière heure, de 1h à 2h, tout se vide, mais d'une façon... Waouh, c'est incroyable. Genre, j'ai attendu 50 minutes à The Last of Us, une demi-heure après, 10 minutes. Enfin, waouh. Du coup, je confirme que L'Exorciste est la plus terrifiante. En deux, je dirais quand même Holidays in Hell parce qu'elle m'a fait bien flipper la deuxième fois. J'ai essayé de filmer avec mon téléphone, c'était une catastrophe. Le focus, ça n'a pas marché. Mais j'ai réussi à vous filmer The Last of Us et Stranger Things. Donc je suis content. Donc, je les ai refaits. Bon, Stranger Things, c'est bien pour ceux qui connaissent la série et tout, mais sinon, voilà quoi. Non, franchement, c'était incroyable. Vraiment, la soirée était vraiment incroyable. C'était génial, j'ai vraiment kiffé. Surtout le petit rush, le shot d'adrénaline à la fin avec quand j'ai refait les maisons sans attente. Ça c'était le top. Et waouh quoi, vraiment les maisons sont incroyables. Notamment au niveau de la thématisation, c'est super bien thématisé. Du moins l'intérieur, l'extérieur, bon après c'est du provisoire donc ça se comprend. Mais vraiment l'intérieur est superbement bien thématisé. Les cachettes des monstres sont super bien faites. Ça surprend vraiment. Non, vraiment, c'est la qualité des maisons est vraiment incroyable. Hein. C'est là, on est sur du haut niveau. Vraiment, j'ai kiffé. En plus, faire les rides de nuit et tout, c'est sympa. Bon, même s'il n'y a pas grand chose de outdoor ici, mais c'est quand même bien. Non, franchement, c'était incroyable. J'ai vraiment kiffé la soirée. Même si elle a commencé un petit peu bizarre. Mais non, vraiment, c'est génial. Je conseille vraiment à tous les amateurs d'horreur. Surtout des films qui sortent aux alentours là, de venir parce que ça vaut vraiment le coup. J'ai pas pris de passe-passe, j'ai quand même réussi à bien gérer ma journée, mais il faut bien s'organiser au début. Ou alors attendre vraiment la dernière heure pour pouvoir rusher sur les attractions ou les maze qu'on n'a pas pu faire. Donc je suis très content. Donc je n'ai rien à dire de plus. Si vous voulez que je vous dise des choses au niveau de l'organisation, ou quoi, dites-le dans les commentaires, je ferai soit un post, soit une vidéo, ou je sais pas, je verrai. Je pourrais vous aiguiller un peu plus sur comment j'ai organisé un peu ma soirée. Et puis voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve pour la prochaine vidéo.